t'es malade, qu'est-ce que tu fais de boire à cette heure-là? Ah, oh, fallait que je finisse mon dessin pour la fête de ce soir. Quelle fête? Ben, ça fait 6 mois qu'on vit ensemble. C'est là, toi, moi. Oh ouais, méchant party. Hey, j'ai hâte de voir ça, moi, la famille recomposée. Tellement hâte que je pense que je vais décamper tout de suite. Ah, tu te lèves. Sors là. Oh, tu viens m'aider à finir mon dessin. Non, j'ai un jeu vidéo qui m'attend. J'ai bien fait te réveiller d'abord. Pas exactement. Je vais chez mon père. Là, je vais pouvoir dormir en paix, puis après, je vais jouer à mon jeu vidéo. OK, d'abord. Tu vois cette boîte-là? Ouais, quoi? Ça, c'est la nourriture pour microbes. Il faut que j'y en donne demain. Interdit de toucher à ça, compris? Inquiète-toi pas, là, je t'ai habitué. Je mange pas de bouffe à serpent, moi. C'est qui, lui? C'est toi. Je m'habille pas toujours en noir. Non, t'es jamais content. Salut. Salut les filles! Vous avez bien dormi? Ouais. T'as acheté du lait? Oui, là-dedans. J'ai acheté plein de bonnes choses. Hey, vous allez m'aider, hein, cet après-midi à préparer le souper anniversaire de notre déménagement? Ah ouais, ça fait combien de temps qu'on habite ensemble? 6 mois? Oui, ma fille, puis ça se fête. Mais là, il me semble qu'on mange souvent ensemble. Oui, mais ce soir, la famille va être là au grand complet, puis on va bien s'amuser. Hey, moi, ça me renverse le nombre de choses qui a changé depuis qu'on vit ici, hein? Mais voyons, Victoria, rien qui a changé. Non, mais elle prend juste ses notes, par exemple. Elle s'est pas faite de chum, elle a pas changé de coiffure, elle a pas commencé à se maquiller, là, puis je suis sûre qu'elle s'est même pas acheté de nouveau soutien-gorge. Non, je vois vraiment pas qu'on fait un souper. Ben, mais voyons, Marianne, c'est pour toi. Toi, t'as pas arrêté de faire des changements depuis 6 mois, puis des changements énormes. Il y a 6 mois. Maintenant. Il y a 6 mois. Maintenant. En tout cas, Marianne, change jamais de couleur de cheveux, hein, parce qu'avec tous les changements que tu fais déjà, là, on va finir par plus te reconnaître. Bon. Vous êtes très chanceuse parce que vous avez le premier choix pour les tâches. Mmh, wow. Là, comme d'habitude, les gars feront rien. Mais là, Simon est à un tournoi de hockey avec Claude. Non, mais c'est pas juste. Mais je me suis arrangée avec eux pour qu'ils rangent la table et puis qu'ils fassent la vaisselle après le souper. Hmm? Nathan, lui, s'occupe de la décoration. Mmh. Puis Manolo, lui? Ben, Manolo, il est chez Denis. J'ai pas encore réussi à le rejoindre, mais faites-vous-en pas, chacun va faire sa part. Bon, ben, qu'est-ce que vous choisissez? Ranger le salon? Ouais, je peux bien le faire. Bon. Puis toi, Marianne, tu veux-tu m'aider à cuisiner? Mais là, je peux-tu commencer par déjeuner, hein, merci? Génial, les vendeurs de céréales s'en viennent hot dans leur surprise. Non, dis bonjour à Marianne. Et là, Victoria, là, je t'avertis. Bon, écoute, Célina, débarrasse-nous donc de la surprise, là. Oh, oui, puis emmène ça aussi, ça me lève le cœur. Ben, voyons, Marianne, tu vas pas gaspiller des bonnes céréales enrichies comme ça. Germes de blé et crottes de souris. Il paraît que c'est super bon pour le teint. Veux-tu que je te fasse des toasts, Marianne? Du pain doré au pipidermine? Non, merci. Là. Faut faire quelque chose, c'est trop dégueu! Ben oui, mais là, c'est sûrement une souris que Manon a acheté pour nourrir Microbe qui s'est égarée. Ah oui, puis Manolo, il en achète toujours 2 à la fois. Ça veut dire que si Microbe les a pas mangés, il y en a peut-être une autre qui se promène dans la maison. Ah, j'espère qu'elle était pas enceinte, hein, parce que là, ça sera pas drôle ici dedans. Une souris en moyenne, 4 à 8 sourisseaux par portée, une portée aux 3 semaines. Si on calcule que chacune de ces souris-là. Hey, Céline, arrête, s'il te plaît! Mais quoi, maman, on sait pas, là, ça fait peut-être longtemps que Manolo les a perdus. Je vais parler avec Mano, puis s'il y a quoi que ce soit,
On va mettre des trappes. Ah ben non, y a pas besoin de mettre des trappes. Maman, là, je vais les attraper, moi, les souris. Ouais, ben tu feras ça plus tard, parce que là, j'ai besoin de toi pour autre chose. Oh. Des souris perdues dans la maison. Oh. Hey, Marianne! Tu m'as pas dit quelle tâche tu choisissais? Ben non, attends, c'est pas la même sorte de souris qu'ADN, fait que je peux pas les mettre dans la même cage. J'aime mieux la mettre dans l'ancienne cage à hamster de Manolo. T'es sûr qu'il va y avoir une autre souris dans le bol de céréales? Ben non, ça aurait été ben trop génial. Et avec deux souris dans ses céréales, là, Marianne aurait crié tellement fort qu'elle en aurait perdu la voix. ça fait du bien de rêver. Mais pourquoi? Pour rien, c'est juste que d'habitude, microbe en mange deux. Oh, voyons, elle est où cette cage à hamster-là? Comment tu vas faire pour attraper l'autre souris? Ben, je veux pas te faire peur, Nathan, là, mais ça se peut qu'il y en ait plusieurs. Parce qu'on sait pas quand Manolo a laissé échapper les souris, puis des souris, ça se reproduit vite. Ouais, faut vraiment que je fasse des recherches. Il doit y avoir un moyen de les attraper sans les blesser. Bon, ben, je vais aller voir dans le sous-sol, là, peut-être que la cage à hamster de Manolo est là. Ah, j'ai une boîte vide ici. Tu pourras mettre ta souris dedans? Ah, ben, merci, Nathan. Tiens, ma petite chouette. Tu vas t'installer là en attendant que Tante Célina te trouve une maison un peu plus grande. Allez. Est-ce que je peux garder la souris dans ma chambre? Ah, ben, ouais, si tu veux. Tiens, fais attention. Merci, Célina. Ah, t'es là, Célina. Je te cherchais. J'ai un service à te demander. Ah, ouais, quoi? Ben, j'étais en train de chatter sur mon ordinateur, puis il s'est brisé. Est-ce que je peux utiliser le vôtre? Ah, ben non. Tu vas voir, on a 100 fois mieux à faire que chatter. Hein? Je vais t'expliquer. Ah, oh, s'il te plaît, c'est important. Va chatter, Pénélope. Je vais l'aider, moi. Ben non, toi, t'es trop petit, Nathan. Bon, viens, Pénélope. OK, d'abord, je vais l'attraper tout seul, l'autre souris. Bon, c'est facile. Tout ce que ça me prend, c'est des céréales. Manolo! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu faisais dans mon lit? Moi, je rentrais tard hier, j'étais fatigué, j'avais pas le goût d'installer mon lit dans le salon. Est-ce que je vois, ça fait ton affaire? Ouais, j'ai un ami qui m'a prêté un super jeu. Mm. Pour en profiter au max, j'avais pas le choix, fallait que je vienne ici. Hein? Ah, tu peux pas jouer chez Victoria. Avec les parents, t'as beau répéter puis répéter des centaines de fois la même chose, c'est jamais assez, ils veulent pas comprendre. Pat, c'est pas que dans l'armée, il faut faire la ligne pour avoir la télé. Manolo. Et pour avoir le droit de jouer à un jeu vidéo, c'est pas simple, hein? Tu dois prouver comme t'es familial, que t'as lavé le bol de toilette, ouais, ramassé ta chambre, ouais, fais la vaisselle, ouais, fais tes devoirs, laisse aucun plus tourner. Est-ce que j'ai dit aucun plus? Manolo, c'est beau, j'ai compris. Mais au lieu de jouer à l'enfant martyr, pourquoi tu dis pas simplement « Mon beau papa, je m'ennuyais de toi. » C'est pour ça... Que je suis venu jouer à mon jeu ici, oui, merci. Évidemment, ta mère est au courant que t'es ici. Non, j'ai fait croire que je faisais un fugue en Égypte. On va faire un petit lunch, as-tu faim? Non, j'ai pas le temps. À quelle heure que Célina s'en vient? Hey, elle, ça vient ici pour avoir la télé, tout aussi bien de se préparer à faire la ligne, hein? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Ben allô, on s'en va souper à la tuque. On s'en va à la tuque? On va voir grand-maman? Oui, je te l'ai dit l'autre jour. Hey, tu m'as jamais parlé de ça. Est-ce que je vais pouvoir porter mon jeu vidéo, moi? Mmh. En espérant qu'on voit encore à travers l'écran de sa télé, hein? Fume comme un bateau moteur, grand-maman. N'exagère pas. Bon, ça a l'air que je vais manquer le souper de la famille recomposée. Hey, c'est beau de part, on y va pas de problème. OK. Ah non, attends, je connais le jeu. C'est mon jeu. Hey! Tes toasts sont prêtes. S'il te plaît, Annabelle, essaye de la convaincre. Non, mais il y a 30 souris qui naissent à la seconde, là. On va bientôt être envahis. Non, je peux pas rester ici, là. Il faut que je déménage. Oh! Hey! T'as-tu entendu ça? Oui. Il y a même des souris dans les murs de ma chambre. Oh, non, laisse faire, Annabelle. Je sais où je vais aller, OK? Ciao. Merci d'être là. J'ai quelque chose de très, très important à te demander. Ah ouais? Ben, ça tombe bien. Moi, j'ai un cadeau pour toi. Ah oui? Oui. C'est quoi? Des fleurs. Non, 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 c'est quelque chose que tu vas beaucoup aimer. Ah, quelque chose que j'aime beaucoup? Mm-hmm. Oh, un rouge à lèvres! Non. La crème, du démaquillant! Non. Oh, je sais! Du vernis à ongles! Non, non, c'est pas ça. Ben, là, je sais pas, je donne ma langue au chat. Ben, je te donne un indice, là. Le message qui vient avec le cadeau, c'est si Marianne ne vient pas à eux, amène-les à elle. Hein? Mais c'est pas ton genre de message, ça?
Non, t'as raison, c'est le genre de message de Victoria. Tiens, à écouter pour le souper de ce soir. Ha, 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 très drôle. Mais tu sais, il fera mon message à moi. Pas question que j'écoute des haricots pour un souper que j'assisterai même pas. Comment ça, tu n'y assisteras pas? Et Victoria a de l'air de tenir à ce que tu sois là ce soir. C'est un souper hyper important. Non, je peux pas être là, je déménage. Et la maison est infestée de souris. Infestée, là, tu y vas un peu fort. Victoria vient de m'en parler, là. Ça peut pas faire si longtemps que ça que les souris de Manolo se sont échappées, il l'aurait dit. Mais hein? Justement, c'est son genre de pas le dire. Puis c'est peut-être pas la première fois qu'il laisse s'échapper. Oh non, 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 là, il faut que je déménage. Ah, oh, d'après moi, tu déménageras pas bien, bien loin. Victoria a l'air de tenir vraiment à ce que tu sois là, ce soir. Coudonc, là, travailles-tu pour Victoria? C'est comme Marianne! Il faut que tu prépares les haricots, Marianne! T'as peur des souris! Mais Marianne, il faut que tu soupes ici, c'est super important pour Victoria! C'est quoi après, là, tu vas me dire quelle couleur de petite coulotte Victoria veut que je mette? Regarde, là, je me mêle plus de rien, c'est beau? Non, c'est pas ça, là. Tu pourrais peut-être m'inviter à m'installer chez toi. Ah, pour une bonne cause, ta mère voudrait peut-être. Marianne, tu connais ma mère mieux que ça, franchement. Bon, OK, je rappelle Annabelle. Ah, oh, donne-moi ça. T'as peur des souris tant que ça? Là, il faut que je fasse ma valise. Qu'est-ce qui va mieux avec ce pantalon-là? Ce chandail-là, celui-là, ou lui? Mais Marianne, une souris, c'est tout petit. Hein, ça peut pas te manger. Ça peut juste te chatouiller un peu, là. J'ai ça, moi, j'ai le droit. N'aie pas peur, hein? Tant que je serai là, je te protégerai. Aucune souris qu'elle vienne des boîtes de céréales, de riz ou de biscuits ne pourra t'approcher. Tu ferais ça pour vrai? Ben là, je suis pas sûr, par exemple. Oh, je comprends vraiment pas. Ils disent nulle part comment attraper une souris autrement qu'avec une trappe ou du poison. Célina, ça fait deux fois que je t'appelle. Pénélope, peux-tu aller voir ce qu'elle veut, s'il te plaît? Hey, c'est toi qui l'appelle, pas moi. Lâche tes souris, puis vas-y. Oh, mais s'il te plaît, là, ce sera pas long. Dès que je trouve ce que je cherche, là, je te laisse l'ordi. Je devrais trouver ça. Juste ici. Tiens, ta mère fait dire que si tu vas pas aux carottes, les carottes viendront à toi. Elle veut que tu les épluches tout de suite. Ben, peux-tu commencer à les éplucher pour moi, s'il te plaît? Mais là, Céline, ça commence à faire, là. Tu m'as promis de me laisser l'ordinateur, ça fait une heure de ça. Oui, mais j'en ai pour deux minutes, là. C'est pas la fin du monde. La meilleure façon d'attraper une souris, c'est de mettre du fromage sur une trappe. Ça prend pas trois heures d'Internet pour ça. Comment toi, ma meilleure amie, tu peux dire ça? T'aimerais ça mourir sous la guillotine, là, la tête coupée, juste parce que t'as eu le malheur d'avoir faim? Hey, j'en reviens pas, tu me déçois, Pénélope. Mais c'est pas ce que je voulais dire, là. J'ai juste hâte de pouvoir chatter. Depuis quand c'est si important pour toi, chatter? Depuis que j'ai rencontré un groupe qui se passionne pour la science. Ah ouais? Un groupe ou un gars? Un groupe. Tu sais ce que c'est? Un rassemblement de personnes. Ouais, c'est pas de rencontrer un gars sur Internet, à vous. On a échangé juste une fois, là. Rien de sérieux. Ah ben d'abord, c'est pas sérieux, pourquoi t'es si pressée? T'avais pas quelque chose sur les souris à chercher, toi? Ouais, mais... Oh, regarde, le site est même pas complété, là. Va falloir que je cherche ailleurs. Oh non, Céline, ça va te prendre encore une heure, là. Je suis tannée, là. C'est à moi de prendre l'ordinateur. Allez, on change de place. Oh! Bon, la dinde, maintenant. Oh, Marianne, Céline, mes légumes, s'il vous plaît. Le beurre. Bon, vous voilà. J'ai essayé de te rejoindre toute la journée. Je le savais qu'elle me chercherait. Mais voyons donc, on n'a même pas utilisé le téléphone. Ah, c'est vrai? Tu l'as peut-être mal raccroché la dernière fois que tu t'en es servi. Hein? Bon, écoutez, c'est pas grave, là. L'important, c'est que tu m'aies ramené Mano. J'ai besoin de toi pour le souper. Désolé pour ton souper, mam, on vient juste chercher Céline. Ouais. On s'en va chez grand-maman. Mais voyons. Voyons, c'est quoi cette histoire-là, Denis? Je veux dire, en fin de semaine, les enfants sont avec moi. Mais Victoria, je t'ai appelé il y a trois semaines pour te demander si je pouvais prendre les enfants pour la fête de ma mère. Complètement oublié. Mais ben Manon, t'aurais dû me le rappeler. J'avais oublié moi aussi. Mais là, si tout le monde a oublié, peut-être que tu pourrais remettre ton souper une autre fois. Mais franchement, la fête de quelqu'un, ça se remet pas à une autre date. Oui, Manolo a raison. C'est plus facile pour toi de déplacer ton souper. Ben non, c'est pas facile. Pour avoir tout le monde à table en même temps dans cette maison-là, faut se prendre des mois d'avance. Ben, je veux bien, Victoria, mais moi aussi, j'ai prévu ça il y a longtemps. Ben oui, mais t'as juste à me le rappeler. Puis regarde, là, même les enfants ont oublié. Manolo vient de te le dire.
Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas chicaner pour ça, pas eux. Choisis, Manon. Avec qui tu veux rester? Avec ton père ou avec ta mère? Ton père, hein? Avec ta mère, hein? Avec ton père, hein? Avec ta mère, hein? Ta mère! Ton père! Ta mère! Moi, je pense que je vais aller me perdre dans ma chambre. Mais non, tu restes ici. Denis, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour préparer le repas préféré des enfants. Regarde, mes entrées sont prêtes. Ben, tu connais ma mère? Elle aussi, elle leur a préparé ce qu'ils préfèrent. Hey, coudonc, tu ris-tu de moi, toi? Non, pas besoin de monter sur tes grands chevaux. Hey, vous avez juste à annuler les deux soupers puis ça va être réglé. Pas besoin de chicane pour ça, là. Bon, je m'excuse, Denis, là. Je suis vraiment désolée d'avoir oublié ton souper. Mais là, cette soirée-là, c'est spécial pour nous autres. C'est un genre de date biannuelle pour fêter l'évolution de la famille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué ici? Magali va appeler d'Afrique. On se faisait tous une joie, l'idée de ce souper-là. Bon, OK. Je vais appeler ma balle, je vais voir ce qu'on peut faire. Je vais... Je vais demander de déplacer son souper à demain, en espérant que ça ne l'ennuie pas trop. Oh, c'est pas correct pour pas. Il faut que les deux soupers soient annulés, pas juste un. Un l'ouvre. J'en ai rien à faire, moi, du souper rencontre. Est-ce que c'est si dur à comprendre que ça? Il y a jamais moyen de discuter avec vous dans cette maison-là. Voyons, Manolo! Bon, laisse faire, Denis. C'est dans l'air. Ils sont tous comme ça aujourd'hui. Ah, tiens, sens ça, ma petite chouette. Ça sent bon, hein? Je vais mettre plein de carrés de mélasse partout dans la maison. Hey, ma soeur en pleine conversation avec mes souris. Il manquait juste ça. Comme ça, quand tes petites amies vont piler dessus, elles vont rester prises. Ah, mais t'inquiète pas, hein. Je vais les prendre, je vais laver leurs petites pattes, puis je vais les remettre dehors. Je vais les sauver. Écoute, toi, tu commençais à prendre la drogue en cachette? Manolo, viens passer l'aspirateur, s'il te plaît. Ben non, là. Mais Manolo, je pense que t'as égaré les souris de microbe parce que Marianne a failli manger une souris. Hey, t'as manqué un bon spectacle. Quoi? Et à chaque fois que j'interdis Nathan de toucher à mes affaires, il le fait quand même. Ouais, il y a une souris qui est atterrie dans son bol en même temps que ses céréales. Elle capotait, là! Si j'ai bien entendu, je pense qu'elle veut déménager. Elle veut déménager? Ouais. Hey, j'ai vraiment bien fait de dire à Nathan de pas toucher à mes affaires. Depuis quand t'as perdu les souris? Ben, je voulais pas trop te le dire, mais ça fait un bon bout de temps. Oh. Hey, des petites vacances de Miss Popoune, qu'est-ce que tu veux demander de mieux? Ça tombe super bien. Oh, mais là, alors qu'il doit y avoir plein de souris dans la maison. Pourquoi tu l'as pas dit quand c'est arrivé? Là, va vraiment falloir que je les attrape, sinon maman va mettre des trappes. Sinon, c'est parce que d'habitude, les microbes les mangent, ces souris-là. Je le sais, mais j'aime mieux penser que c'est les microbes qui les mangent plutôt qu'elles vont finir dans une trappe à souris. Puis en plus, un microbe pourra pas toutes les manger. Ça fait que je vais quand même en sauver plusieurs, hein. Sinon, laisse faire les souris. Si Marianne pense qu'il y a plein de souris, elle va partir, puis on sera pas obligé de se taper le souper le plus plat au monde. Manolo, ce souper-là, c'est important pour maman. De toute façon, t'attraperas jamais toutes ces souris-là avant le souper. Ça veut dire que Marianne restera pas ici. Pas de Marianne, pas de souper. Je savais que c'est ce qui arriverait. N'y est même plus là. Célina, j'aurais... Oh, t'es toute seule, Pénélope? Oui, c'est une partie installer ses pièges à souris. Bon. Avez-vous besoin d'aide? Non, c'est correct. Tu peux finir ce que tu faisais. Ah, c'est inutile. J'ai pas trouvé ce que je cherchais. Ben là, je voulais que Célina m'aide à finir le gâteau, mais... Je peux le faire. Non, c'est correct, c'est pas à toi de faire ça. Je devrais être capable de trouver une de mes enfants pour le faire, hein? Malgré que je peux pas trop chialer contre Célina, c'est quand même elle qui a épluché les carottes. C'est bien Célina qui a épluché les carottes? Ben oui. Oh ben franchement, non seulement je peux à peu près rien demander à mes enfants, mais le petit peu que je leur demande, ils le font faire par les autres. Mais Célina était très occupée. Ben oui, ils sont tous très occupés. Bon, je m'excuse, Pénélope, là, je pense que je suis due pour avoir une petite discussion avec mes enfants. Ouais, vous saluerez Célina pour moi, hein? Je vais y aller. Mon père a sûrement réussi à réparer notre ordinateur. Au revoir, Madame Laporte. Bye-bye, Pénélope. Merci, hein, pour les carottes. Nathan? Qu'est-ce que tu fais là avec tes céréales? Une autre fait faire ses tâches par la visite. Ça va bien? Je pense qu'on est vraiment dû pour une petite réunion de famille. Justement, Victoria, il faut que je te parle. Marianne. Je t'écoute. Ben, même si la maison est infestée de souris, là, je vais rester à souper. Oh, ben, coudonc, c'est le fun que tu m'en parles, hein? J'étais pas au courant que t'avais l'intention de partir. Pas de partir, de déménager. Mais, si Mathieu, mon protecteur de souris, peut rester à souper, ben, je vais rester. Marianne, c'est un souper en famille. Mais tu fais partie de la famille, là, c'est ton neveu. Mais là, je parle de notre petit noyau familial. Tu comprends ça, hein, Mathieu? Oh, oui, je comprends ça, ma tante. Il n'y a pas de problème. Oui, il y en a un. Moi, là, j'ai besoin de me faire protéger.
Là, tu m'as pas répondu, Victoria. Mathieu reste ou je m'en vais? Quoi? Ben quoi, là? Manolo, c'est Lina! C'est la dernière fois que je vous appelle. Je veux vous voir ici tout de suite. Moi, je vais y aller. Je me sentirais trop si je restais, là. On se verra après le souper, OK? Viens-tu me reconduire à la porte? Hey, pourquoi est-ce que je peux jamais jouer à mon jeu en paix, hein? Hey, ça fait 10 fois que je t'appelle pis t'es pas venu une seule fois. Hey, oh, pas besoin de te choquer, j'allais venir, j'étais juste un petit peu... Arrête! T'as pas levé le petit doigt pour m'aider à faire quoi que ce soit pour le souper? Ben, c'est Lina non plus. Ben, justement, y a un problème, hein? Les seules personnes qui m'ont aidé, c'est Mathieu pis Pénélope, faut le faire. Ben, c'est normal, ton souper, c'est pas notre idée, on l'a jamais demandé, nous autres. Bon, ben, si tout le monde s'en fiche de mon souper, là, ben, faites donc de l'air, hein? Ça va faire. Je peux te dire quelque chose, Victoria? Ça peut t'attendre 2 minutes, Nathan? Pas vraiment. C'est moi qui ai laissé échapper les souris dans la maison. C'est de ma faute. Mais il y en avait juste 2. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'il vienne tout gâcher, lui? Je te promets de trouver l'autre. J'espère bien, Nathan. Hé, hey, tout le monde, ça marchait, j'ai attrapé ma première souris! Ah! Une souris plus une souris, ça fait 2 souris? Ça veut dire qu'il y en a même plus de lettres dans la maison! Non, c'est parce que Nathan, je pense qu'il y en a plus que 2. Hé, hey, elle va pas commencer à pleurer, là. Je savais qu'elle tenait à son souper, mais jamais tant que ça. Mais il y en avait juste 2 ce matin quand la boîte est tombée. Ce matin? Oui, allô? Ah, vous êtes encore à l'aréna? Oui, un instant, s'il te plaît. C'est Claude. Bon, là, je garde qu'il va être en retard pour le souper. Ça ferait bien votre affaire, hein? Oui, allô? Hey, en fin de compte, c'est moi qui ai sauvé la vie de ce souper-là. Hein? Une chance, parce que s'il y avait encore des souris... Ouais. Bon, quand est-ce qu'il arrive, Claude et Simon? J'ai faim, moi. Ça devrait pas être trop long. Mais en attendant, il y a des légumes et de la trempette. Faut en prendre, si vous voulez. Maman? Je savais pas que ce souper-là était si important que ça pour toi. Excuse-moi. Merci. Bon! Ben, je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre nos 2 retardataires pour faire un toast, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que ce serait une très bonne idée. Bon. Eh bien, à la belle rencontre des enfants à l'Espérance Lapa. Chin! 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 Dans les yeux! Déjà 6 mois. Oui, déjà. Et je me rappelle notre premier souper. Dans ce temps-là, là, j'étais quasiment pas maquillée. Ah, moi aussi, je me rappelle. Papa, là, il m'avait félicité parce que j'étais le seul qui avait pas de l'air de bouder. Hey. Est-ce que c'est à ce souper-là qu'on avait mangé des hamburgers avec du fromage de chèvre? Ouais. Tu vois comme j'ai changé aujourd'hui, j'adore le fromage de chèvre. Mais c'est meilleur avec du ketchup. Oh. Ah! J'y vais, ça doit être Magali qui appelle d'Afrique. Oh, hey, tu m'abases, hein? T'es-tu encore fâché à cause des souris? Mais non, c'est correct, Nathan. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé? Une souris dans une boîte de céréales est bonne, celle-là.